en train de travailler sur ce nouveau code à venir qui peut-être sera prévu de 2001 à 2008 et non plus de 2001 à 2004. Nous verrons tout cela donc au terme de la saison 2000, c'est-à-dire en fait en 2001, ça ne sera pas encore valable. Après les Jeux Olympiques, voilà. De Sydney. Alina Kabayeva avec comme objectif le grand chelem, c'est-à-dire d'obtenir pour la quatrième fois de l'après-midi la note maximale de 10. Elle en est tout à fait capable. Et dans ce cas-là, évidemment, le titre serait pour elle. Nous lui souhaitons mille bonheurs. Quelle souplesse. Oh, super. Toujours impressionnant. Regardez cette corde qui tourne en différentes directions. Passage du corps dans la corde. Obligatoire également. Travail au sol. Chapeau posé sur la tête. Ça, c'est bon. Et attention, le lancer sur l'enjambé. Très original. Ah, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Je pense, Nadine, que le... Le 10. Le 10 est peut-être au bout. Je pense que le 10 est peut-être au bout et ce serait dans ce cas-là un formidable exploit car, encore une fois, nous sommes ici, Nadine, j'ai calculé depuis 1996 et il n'y a pas eu de gymnaste ayant réalisé 4 fois la note de 10 dans la même après-midi. Oui, obtenir la note maximale de 40 points sur 40 est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ce qui voudrait dire que c'est une gymnaste parfaite à 100%. Et en plus, elle semble posséder une sûreté. Elle donne l'impression d'avoir une sorte de soupape de facilité, sécurité, qui lui permet de ne pas prendre trop de risques par rapport à son immense talent. Et alors, en plus, des facéties qui sont extrêmement originales. Séduction.